Vous savez que mon mari a le souci du détail. C'était un gros détail que ma chère femme a balayé d'un geste de la main, comme on chasse une guêpe que vous importune lorsqu'on pique-nique au bord de la Neva. C'était sans importance. J'ai trompé Irina. Voilà le sujet abordé, le détail. C'est très indélicat de ta part, tu vas mettre nos amis mal à l'aise. Je t'ai dit que puisque tu avais rompu, tout est rentré dans l'ordre. Et moi, je trouve surprenant, pour le moins, que tu ne te fâches pas. Pour moi, c'est grave que tu ne te fâches pas. Cela pourrait vouloir dire que c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu ne te mets pas en colère. Je ne veux pas me fâcher, tant d'années après. Tu me l'aurais dit à l'époque, si cela peut te faire plaisir, je ne te dis pas. Et moi, je veux que tu te fâches, que tu m'en demandes plus. Vous voyez, vous êtes témoin, le souci du détail. Mon mari veut que je lui demande des détails, mais des détails sur quoi ? Sur la nature plus précise de leur rapport ? Tu veux par exemple, comme détail, que je te demande le nom de cette femme ? Que je te demande si je l'ai croisée, si je la connais ? Oui, tu aurais pu me demander le nom. Et je ne l'ai pas fait. Tu devrais me le demander. Je ne vais pas le faire. Elle ne va pas le faire. Pourquoi tu persistes ? Écoute, Véronica. Ça n'en vaut pas la peine. Mais tu dois me le demander. Je ne le dois pas. Elle ne le doit pas, elle te dit, n'insiste pas. Véronica a raison, arrête. Cela devient grotesque. Elle va me le demander, oui ou non? Tu vois bien que non. Elle ne va pas te le demander. Mireille, tu es déraisonnable, n'est-ce pas, Irushka? Tu ne vas pas le lui demander. Ce n'est pas moi qui suis déraisonnable, c'est ma femme qui ne veut pas entendre raison. Irina te dit qu'elle ne veut pas connaître le nom de la femme avec qui tu l'as trompée. Restons-en là. Eh bien si, finalement, donne-moi-le donc ce nom, au nom de la vérité. Je ne peux pas te le dire. Tu dois me le dire. Si elle te dit de le dire, dis-le-lui et ça en sera fini. Je ne le dois pas. Tu devrais me le dire. Tu devrais le lui dire, Tovaritch, puisqu'elle te le demande. Il devrait, mais il ne le dira pas. Tu aurais dû le dire. Tu aurais dû lui dire. Votre couple ne va pas s'en remettre, sinon. Il aurait dû te le dire, Irushka, chérie. Mais tu vois que non, il ne le fera pas. Il est aussi têtu que Vassili. Regarde-moi, Mireille. Tu ne veux pas dire le nom de la femme que tu as aimée pendant toutes ces années? Je la connais, moi. Et Irina? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Elle est mariée, c'est ça? Tu ne veux pas la déshonorer? Ou bien tu connais le mari? C'est un homme violent, alcoolique. Ah, la vodka, en Russie. C'est un vrai malheur. Et il pourrait vouloir se venger, tuer la femme ou l'amant, ou bien vous deux en même temps, dans un accès de rage, il apprenait. Tu as mis la femme enceinte, peut-être, c'est ça? Et elle a un enfant de toi, ou bien, en plus, d'avoir été trompé. Il ne pourrait supporter l'idée d'avoir été trahi par son propre... Tu as raison. C'est une femme mariée. Son mari est un méchant homme. Rina, je ne peux pas parler. Eh bien, mes amis, je crois que nous en resterons là pour aujourd'hui avec la vérité. Vous voyez, mon époux est un homme comme tous les autres hommes, ni plus ni moins à la fois lâche et borné. Je pense que mon époux Mireille Alexandrovitch serait d'accord avec moi cette fois-ci pour en terminer avec ce malheureux épisode extra-conjugal qui n'aurait jamais dû arriver jusqu'à vos oreilles. Les secrets d'alcôve ne doivent jamais franchir la porte des chambres. De même que les vœux que nous formons, lorsqu'on a la chance de voir une étoile filante, ne doivent en aucun cas jamais sortir de nos lèvres. Il est des choses que même devant les meilleurs amis du monde, l'on se doit de ne jamais aborder. J'ai peu de principes, mais si petits fussent-ils, j'y tiens.